À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal, surtout pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir le chinois du quartier latin, une nouvelle radiophonique de Louis Chavance et le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Pierre Delbon Ribaldi et Guy de Comble, l'inspecteur Mignonnet, dans Le Chinois du quartier latin, une nouvelle policière de Louis Chavance. Allô ? Allô, Danton, 56 de fois ? Oui ? L'hôtel du quartier latin ? Oui, monsieur. Est-ce que monsieur Ribaldi est là ? Ah, je ne sais pas s'il est rentré. Attendez. C'est pas la peine. Ici, la police judiciaire, inspecteur Mignonnet. Comment ? Oui, Mignonnet, j'y peux rien, c'est mon nom. Eh ben, vous le ferez frire à la poêle et vous l'avalerez. Ça ne prend plus vos idioties au téléphone. Abruti ! Ah, vous voilà, monsieur Ribaldi. Quel est l'imbécile qui vient de téléphoner ? Oh, vous avez encore fait une blague, madame Morel. J'ai comme une idée que vous le saviez déjà. C'est pas vous, monsieur Lannon ? Madame Morel, je vous dois 4000 francs et je n'aurai pas la sottise d'indisposer contre moi une aussi aimable créancière. Eh bien, tâchez que ça ne recommence plus. Sinon, vous ne me devrez plus rien. Et vite. Madame Morel, je fais appel à votre sens de la justice. Il est 6h05. La bibliothèque de la Sorbonne ferme à 6h. Rien que le temps de sortir et de prendre un jeton. Eh bien, j'ai pas le temps de discuter. À la première que vous entrez, je vous mets tout sur la porte. Et je ne loue plus qu'à des étudiantes. Elles ne font pas de bêtises. Et elles paient régulièrement. Oh là là, ces étudiantes. Elles nous poursuivent jusque dans nos chambres. Avec ses blagues au téléphone, ce ballon de maçon va nous faire avoir des ennuis. C'est pas lui, ça. Pourquoi ? Tout seul, c'est pas drôle. C'est vous la gérante ? Oui, monsieur. Inspecteur Mignonnet, voici ma carte. Oh, monsieur l'inspecteur, je vous demande pardon si j'avais su... Mais j'ai l'habitude. Monsieur l'inspecteur, j'ai jamais eu d'ennui avec la police. Mon hôtel est parfaitement honorable. Mais je ne vous en demande pas tant. C'est ici qu'habite Marcel Ribaldi. Oui, monsieur l'inspecteur, il a fait des bêtises. Mais je n'ai rien dit pareil. Tous des schnappants, des vauriens. J'ai simplement besoin de renseignements sur ce Ribaldi, madame. Voulez-vous me suivre, monsieur l'inspecteur ? Oui. Hé, hey, Ribaldi, t'es prêt ? J'arrive. Oh, mais dis donc, t'as un bel imperméable. Il est neuf ? Oh oui, je viens de l'acheter. Il a dû te coûter cher ? Oh, pas tellement, non. Je me demande comment tu te débrouilles avec ta pension. Une affaire, mon vieux, je l'ai acheté en salle de chez Arluc. Monsieur Ribaldi ? Oui ? Il y a un monsieur qui voudrait vous parler. Eh ben, il me parle. Je crois qu'il est de la police. Qu'est-ce que cela veut dire ? Va devant l'anneau, je te rejoins. Méfie-toi. Si tu me laisses avec Arlette, je risque d'en profiter. Oh, je la connais. Avec elle, aucune chance. À tout à l'heure. Vous voulez me parler, monsieur ? Oui, monsieur Ribaldi. Inspecteur Mignonnet, ne riez pas. Je ne ris pas.
De quoi s'agit-il ? Excusez-moi de vous déranger, monsieur Ribaldi. J'aime beaucoup les étudiants. Oui, j'ai failli être étudiant moi-même. Mmh. J'ai quelques questions à vous poser. Il ne s'agit pas du téléphone. Quel téléphone ? On fait des blagues que nous faisons à la mère Momo. Un instant. Dites-en la gérante, si vous attrapez un courant d'air dans l'oreille, vous allez devenir sourd. Mais j'écoutais pas, j'en bosse mes clés. Oh. Ou alors c'était vous le téléphone, mal appris, cousin. Pas la dernière fois, madame Morel. Non, la dernière fois, c'était moi. Il m'appelle la mère Momo, c'est ça. Eh bien, la mère Momo, si je vous reprends à écouter, vous aurez de mes nouvelles. Hein. Allez. Oui, monsieur l'inspecteur, oui, je m'en vais. Elles sont toutes pareilles. Oui, elle nous en veut pour nos blagues au téléphone. Eh bien, justement, vous déguisiez votre voix pour téléphoner. Quelqu'un a déguisé son écriture pour nous envoyer une lettre à votre sujet. Une lettre anonyme ? Bah, ça y ressemble, hein. Vous vous dérangez pour si peu ? La routine du métier. Nous sommes obligés de tout vérifier quand il s'agit d'un crime. La lettre m'accuse d'un crime ? Précisément, oui. Oh, je dois bien savoir quel Sanigo, l'ignoble individu qui... Ne vous emballez pas, monsieur Vivaldi. Vous sentez bien que je ne vous parle pas comme un assassin et vous n'êtes pas plus suspect qu'une dizaine d'autres personnes qui nous ont été désignées de la même façon. Pour chaque affaire, nous recevons un certain nombre de dénonciations. Et de quelle affaire s'agit-il ? La rentière de Chatou. Vous avez dû voir ça dans la presse. Bon, vaguement, je lis les journaux. Ah. L'affaire a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 février. Elle est assez crapuleuse. On a assommé la pauvre vieille et on lui a volé ses économies, 6 000 francs. Vous lirez les articles. Mmh. Ils disent qu'un témoin a vu sortir de l'immeuble un jeune homme, vêtu d'un imperméable bleu. Et j'ai un imperméable bleu. Justement, oui. C'est peut-être de là que vient l'idée de la lettre. Mmh. Mais enfin, vous ne me considérez pas comme un trop grand coupable. Les renseignements sur votre compte ne sont pas mauvais, monsieur Ribaldi. Mais vos parents appartiennent aux milieux universitaires. Ils ne sont pas riches, mais ils vous envoient de quoi vivre et vous passez pour assez sérieux. Merci. Sauf en ce qui concerne le téléphone. Notre passé nous suit. Je peux bien vous dire que ce n'est pas le genre d'affaire où nous nous attendons à trouver des étudiants, mais on ne sait jamais. Aussi, je suis obligé de vous poser la question traditionnelle. La question traditionnelle. Que faisiez-vous dans la nuit du 2 au 3 février ? Il y a 8 jours. Oh, alors, c'est bien embarrassant. Les habitudes de la nuit, je dors. Tâchez de rappeler vos souvenirs. C'était la nuit du mardi au mercredi. Où avez-vous dîné ? La nuit du mardi au mercredi. Oui. Oh, ça c'est du pot, je me rappelle. Je l'ai passé tout entier avec des amis. Oui, Masson fêtait son anniversaire. Vous voyez comme c'est simple. Ouais. Avec qui étiez-vous ? Maurice Masson, naturellement. Et Pierre Lanneau, qui prépare une licence avec moi. Ils habitent ici. Il y avait aussi Marin, qui fait sa médecine, qui vit à la cité. Arlette Masseret, qui travaille à la librairie Bonnet. Et puis d'autres. Mais ça me suffit. J'en interrogerai peut-être un ou deux, si c'est nécessaire. Alors, je vous avouerai que j'ai eu un moment d'inquiétude. Pourquoi donc ? Je supposais que j'ai passé la nuit à l'hôtel. Ici, on ne contrôle guère les entrées et les sorties. Je serais resté le suspect. Le jeune homme à l'imperméable bleu. À propos de cet imperméable, mais il a l'air neuf. Pensez donc à ceux qui le connaissent. Ça vous aidera peut-être à trouver le bon camarade qui a écrit la lettre anonyme. Merci du tuyau. Pas de quoi, j'ai encore une demande ennuyeuse à vous faire. Pendant que vous y êtes. Toujours la routine. Vous ne devez pas quitter votre hôtel jusqu'à la fin de l'enquête. Épatant. Comme ça, la mère Momo ne pourra pas me flanquer à la porte. Alors c'est parfait. Il me reste à souhaiter de ne plus vous revoir, sauf en d'autres circonstances, naturellement. Merci bien. Je me sauve, mes amis m'attendent. Hé, la gérante, madame Morel. Mais voilà, monsieur l'inspecteur. Non, je me doutais bien que vous n'étiez pas loin. Maintenant, vous allez me dire qui fréquente ce Marcel Ribaldi. Alors, deux mois, deux. Ouais. Alors, Émile, vous payez ? Et qu'est-ce qu'il fait, Marcel ? Il ne vient pas ? Je m'en plains pas, ma petite Arlette, chacun son tour. Bien, ton tour est fini, Marin. Voilà Ribaldi. Alors, Ribaldi, c'est toi l'assassin ? Pourquoi dis-tu ça, Marin ? Oh, dis donc, mon vieux, t'en fais une tête. Je te demande pourquoi tu parles d'assassin. Eh bien, Lanneau vient de nous dire qu'un espèce de flic t'attendait. C'est vrai, Lanneau ? Je l'ai vu à travers la porte. Oh, il avait bien une tête de poulet. C'est toi qui as liquidé la vieille de Château ? Ah, ça va se gâter. Bon, enfin, qu'est-ce qui te prend ? Le type était bien un flic. Et il s'agit de la rentière de Château. Ah non, d'un chien. Et un salaud qui a envoyé une lettre anonyme pour me dénoncer. Heureusement, le coup a eu lieu pendant qu'on fêtait l'anniversaire de Masson. Oh, bien, mon vieux, je. Et pourquoi parles-tu de Château, Marin ? Oh, tu vas pas me croire, mais c'est une pure coïncidence.
Curieuse coïncidence. Alors, regarde les titres sur les journaux. Oh, vous voulez te monter un bateau. Moi, j'ai choisi ce que j'avais sous les yeux. T'as mal choisi. Si j'avais envoyé la lettre, je me vendrais pas aussi bêtement. Les auteurs de lettres anonymes sont vicieux. Mais il y a des vicieux qui se dénoncent eux-mêmes. Mais t'es dans la main sur la figure. Alors, voyons, Marcel, écoute. C'est vrai. Pourquoi s'énerver? Allez, calme-toi. Et la lettre, tu l'as vue? Bah. Ça, c'est trop bête, j'ai oublié de la demander. Dis donc, à propos du téléphone. Oui. Le téléphone est anonyme, comme la lettre. Je vais t'y revenir. Qu'est-ce qui a toujours l'idée d'appeler? Qu'est-ce qui parle toujours à l'appareil? Maçon. Attention. Oh, c'est pas possible. Attention, Maçon est derrière, de l'autre côté de la banquette. Oui, j'entends tout ce que vous dites. Hein. Oh, bah, t'aurais pu te manifester. Oh, non, c'était trop drôle. Non, mes enfants, vous êtes aussi caves que toutes les boîtes de Saint-Germain réunies. Et oh, Maçon est un dur. Non, mais je fais pas de littérature. Je téléphone pour rigoler avec 3 ou 4 copains autour de moi. Mais qu'est-ce qu'il y a d'anonyme là-dedans? Non, si vous voulez savoir qui a écrit la lettre, cherchez qui peut en vouloir à Ribaldi. Cherchez la femme, comme disent les romans policiers. Oh, dis donc, la femme, c'est moi? La femme et le mobile. Il y a peut-être des gens qui sont jaloux de Ribaldi. Dans ce cas, tous tes copains sont dans le bain, Marcel. Pourquoi? Ils ont tous tenté leur chance avec moi. Bonne nouvelle. Non, bah, la blague. Tu le sais bien, Ribaldi, on est entre amis. Non, mais il y a des gens sournois qui font leur coup en douce et qui ont des complexes parce qu'ils n'osent pas s'exprimer librement. Je crois que ce monsieur a raison. L'est-il ? Excusez-moi de me mêler à votre conversation, mais je ne peux pas me boucher les oreilles et je vous ai entendu malgré moi. Vous me connaissez peut-être de vue. Vous êtes l'astrologue ? Ah, le brocanteur ! Le chinois ! Je suis tout ce que vous dites et je m'intéresse à la question dont vous parlez. Je partage l'avis de monsieur Maçon. Vous connaissez mon nom ? Depuis que vous fréquentez cet établissement, j'ai eu le temps de vous observer. Comme vous dites, l'auteur de cette lettre doit avoir des raisons d'en vouloir à monsieur Ribaldi. Mais vous êtes des jeunes gens vifs et francs. Vous ne mâchez pas ce que vous avez à vous dire. Le responsable de cette ignominie n'appartient pas forcément à votre milieu. Qui donc alors? Je ne sais pas. Un homme comme moi, par exemple. Comme vous? Et pourquoi pas? Je suis âgé et je me plais dans la compagnie des jeunes. C'est déjà un point contre moi. J'apprécie le charme de mademoiselle et je n'ai pas l'occasion de la prendre amicalement par la taille, comme ces messieurs. Voilà pour l'obsession. L'autre jour, j'occupais votre place habituelle et j'ai entendu distinctement monsieur Ribaldi me traiter de vieille abruti. Voilà pour la rancune. Excusez-moi. C'est de ma faute. J'ai l'oreille trop fine pour mon âge. Mais que me conseillez-vous, Sam? Ne vous laissez pas troubler. Attendez et observez. Ça me va, je suis observateur. Pas tant que vous croyez. Pourquoi donc? Vous avez cet imperméable depuis une semaine à peu près, et vous avez oublié d'enlever l'étiquette. C'est vrai. Vous voyez que vous êtes un peu distrait, monsieur Ribaldi. Et maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je dois m'occuper de mon dîner. Au plaisir, messieurs. Ah, bon, mais allons dîner aussi. On chira mis comme d'habitude. Pas moi, je mange un sandwich en vitesse. Et qu'est-ce qui t'arrive, Marin? Ah, j'ai du boulot, je passe à concours dans 15 jours. Oh, trop là. Alors, cher ami, c'est entre compte. Quelle main, monsieur Lannon? Ah, voilà Marin. Bonjour. Bonjour, les gars. Alors, ce concours? Ah, au poil, mes enfants. J'ai répondu juste à toute l'école. Qu'est-ce que c'était? Astéologie. Oh, tu n'imagines pas le nombre d'os que tu peux avoir rien que dans la tête. C'est bien que Maçon n'a rien dans la tête. T'as raison, Lannon, j'ai oublié. Tiens, un chinois est là. Il ne quitte plus depuis 15 jours. Et qu'est-ce qu'il nous veut? Il tire notre horoscope, particulièrement celui d'Arlette. Mars dans la troisième maison en conjonction avec Saturne. Désir de changement, bouleversement, accomplissement de vos désirs. Je gagne à la loterie nationale, quoi. Et toutes ces histoires me font mal à la tête. Vous avez tort, monsieur Ribaldi. Même quand on n'y croit pas, c'est amusant. Justement, j'y crois. Qu'est-ce que tu veux, cher ami? Il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Où est-il? Il vous attend dehors. Oh. Il voudrait vous parler en particulier. Oh, il m'embête ce particulier. Je te retrouverai tout à l'heure. Hein. Au Maillot, comme d'habitude. Non, non, c'est le chinois. Oui, les copains t'expliqueront. Bah, on va plus au Maillot? Non, ces messieurs me font l'honneur de venir prendre tous les soirs une tasse de café turc chez le chinois. Bonsoir, monsieur Ribaldi. Ah. Ah, c'est vous, monsieur. Mignonnet, n'ayez pas peur de prononcer mon nom. Mais qui est-il encore? Vous n'avez pas l'air très content de me voir. Toujours l'affaire de Château? Le coupable est arrêté depuis longtemps. Ne devinez pas. Mais
une lettre précisée. Ça va durer longtemps, ces saloperies. Cette fois, vous êtes un cambrioleur. C'est moins grave. Moi, je trouve l'assassinat plus noble. Ah, beau cambriolage. De bijouterie, place de la Bourse. Un joli coup. Une œuvre d'art. Samedi, la bijouterie a fermé, comme d'habitude. Après la fermeture, des ouvriers sont venus mettre une palissade devant la boutique. Personne ne s'en est étonné. La façade avait vraiment besoin d'être ravalée. Le gérant avait même prévenu la concierge qu'on allait faire des travaux. Et derrière la palissade, on a tranquillement cambriolé la bijouterie. Tout juste. Vous êtes doué, monsieur Ribaldo. Alors, je n'ai pas les faits divers, mais j'aime bien les romans policiers. Alors, vous devinez ce que je vais vous demander. Mon emploi du temps de samedi. Exactement. Il va falloir que je tienne un journal intime, maintenant. Voyons, un samedi... Le samedi... On a des travaux pratiques de psychologie. Mmh. Ouais, c'est ça. J'étais avec Masson. Et puis Bibliothèque Bistrot. Le soir... On est allé au cinéma. Avec Toujours les mêmes. La prochaine fois, vous n'aurez pas à me déranger. Si, monsieur Ribaldi. Encore la routine. Restez à votre hôtel jusqu'à la fin de l'enquête. Oh, quelle barbe! Dans 15 jours, c'est les vacances de Pâques. Excusez-moi, mais je n'y peux rien. Non, mais elle va durer longtemps, cette plaisanterie? Aussi longtemps que les lettres. À propos, vous ne soupçonnez aucun de vos amis? Un copain? Oh, bah, ça serait pénible. Et donc, vous avez la lettre? Un pneumatique. Le fer n'a paru que dans les dernières éditions. Votre ami s'est dépêché de l'envoyer. Charmante attention. Tenez, regardez si vous pouvez reconnaître l'écriture. Une des majuscules. Mais vous pourriez reconnaître les majuscules. Bon, je ne peux tout de même pas comparer l'écriture de tous mes amis, non? C'est pourtant ce qu'il faudrait faire. Vous me permettez de vous donner un conseil? Allez-y. Portez plainte. Nous avons des experts très entraînés à ce genre de travail. Ah, c'est tout de même embêtant de porter plainte contre un ami. Et si vous préférez garder un ennemi... Vous avez raison. Que faut-il faire? Allons chez vous. Je regarderai les spécimens d'écriture pendant que vous rédigerez votre plainte. Merci. Allons-y. Mais dépêchons-nous, il pleut. À propos, l'imperméable de l'assassin n'était pas bleu, mais vert. Le témoin s'était trompé. Voilà comment se font les erreurs judiciaires. Allez, dedans. Quoi? Il y a un type qui avait drôlement repéré mon imperméable bleu. Il avait même remarqué que j'avais oublié d'enlever l'étiquette. Un drôle de type, d'ailleurs. Il ne m'occupe plus depuis ce temps-là. Qui est-ce? On l'appelle le Chinois. Il a une boutique de brocante à rue de Vaugirard. Avez-vous un échantillon de son écriture? Non, malheureusement, je... Ben, j'essaierai de l'obtenir. Voulez-vous me permettre encore un conseil? Dites. En attendant le résultat de notre petite enquête, ne parlez à personne de la nouvelle lettre. Pourquoi? Si quelqu'un semble intrigué, vous pose des questions indirectes, il se pourrait que ce soit votre dénonciateur. Bonne idée. Je ne parlerai de la lettre à personne. Surtout pas aux Chinois. Voulez-vous encore un peu de mon café, monsieur Marin? Avec plaisir, il est formidable. Ben, puisqu'il plaît à tout le monde, je vais en faire d'autres. Puis-je vous poser une question indiscrète, monsieur Kovenko? Ça vous en prie. Pourquoi vous appelle-t-on le Chinois? Ah, figurez-vous que je n'en sais rien moi-même. Vos aînés, les étudiants des générations précédentes, ont dû savoir que j'avais beaucoup voyagé. En Turquie, aux Indes, en Chine... Comme j'exposais dans ma vitrine quelques objets d'Extrême-Orient et comme mon origine russe me donne des pommettes un peu asiatiques, cela leur a fourni un surnom que j'accepte aussi bien qu'un autre. L'astrologue, par exemple. Oh, celui-là est beaucoup plus facile à expliquer. Vous avez pu remarquer que je suis assez bon observateur. Rien n'est plus facile quand on a ce don que de faire des révélations troublantes aux gens qui vous confient les lignes de leurs mains ou leur date de naissance. Oui. Il m'arrive de tomber juste à 100%. Ah. Alors... vous nous fréquentez pour nous observer et pour recruter des clients. Ma clientèle ne se recrute guère parmi les étudiants. Je ne vous ai jamais fait payer mes horoscopes. Si je vous fréquente, c'est parce que je suis un peu intrigué par un petit problème que vous m'avez posé l'autre jour. Un problème? La lettre que la police a reçue sur votre ami Ribaldi. Ce n'est peut-être qu'une mauvaise plaisanterie, mais elle ne ressemble pas aux lettres anonymes habituelles. Hein? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je ne sais pas. C'est ce qui me trouble. Je ne vois pas d'ennemis autour des Ribaldi. Je ne discerne pas la perversité dans ce cas. La perversité? Un pervers aurait recommencé. Je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas eu d'autres lettres. Vous allez pouvoir l'interroger lui-même, voilà Ribaldi. Ah, on parlait de toi, justement. Quel sujet? Nous nous disions que vous alliez avoir du café froid. Il me reste de l'eau bouillante, je vais en préparer.
Eh ben, vous êtes pas gay ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons discuté l'astrologie, c'est un sujet qui laisse rêveur. Dites-moi, monsieur Kovenko, êtes-vous aussi graphologue? Un peu, oui. Pourquoi? Je m'intéresse à la graphologie. Et je voudrais vous proposer une expérience. Nous échangeons nos écritures et nous comparons les résultats. Je n'écris que la machine. Je ne donne jamais mon écriture. Elle livre trop de moi-même. Voici votre café, monsieur Ribaldi. Merci. Ah ben, décidément, vous n'êtes pas gay. Ah, l'agent. Qu'est-ce que tu as d'amusant à nous raconter? Je ne sais pas si c'est amusant. Je viens de rencontrer ton patron, Arlette. Oh, qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Il part en Belgique pour 10 jours et il voudrait te mettre au courant des commandes. Il t'attend au Mailleux. Oh, la barbe. Je veux lui faire payer des heures supplémentaires si ça continue. Bon, je te retrouve tout à l'heure, Marcel. Si tu veux. Viens, on entête, on dansera. Okay. Au revoir, tout le monde. Comment s'appelle le patron de Mademoiselle Masseret? Andréani. C'est un Italien, je crois. Vous n'êtes pas un peu jaloux de lui, monsieur Ribaldi? Il a déjà une femme et une maîtresse. La librairie reçoit 200 clients par jour. Si je devais être jaloux d'Arlette, je pourrais me lever tôt. Entrez. Ah, qu'est-ce que tu fais, Ribaldi? Mes valises. Tu t'en vas? Oui, je vais passer les vacances de Pâques chez mon oncle. Dis donc, Ribaldi, c'est vrai ce qu'on dit? Quoi? Que tu es brouillé avec Arlette depuis le retour de son patron? Qu'est-ce qu'il dit ça? Mes copains. Il paraît que tu t'es disputé avec Andréani dans sa boutique. Eh ben, laisse-les dire. Tu n'es pas brouillé avec Arlette? Mon vieux Lano, si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien. Moi non plus, d'ailleurs. Alors, ça va s'arranger. Bon, ça, je crois pas. Arlette est une fille charmante, mais je ne veux pas passer ma vie à la regarder vendre des livres, non? Tu la plaques? Elle adore les étudiants, nous sommes à Pâques, il lui reste un trimestre pour me trouver un remplaçant. Alors je vais me mettre sur les rangs. Bonne chance. Entrez. Eh ben mes enfants, voilà une nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a, ma sang? Bah dis donc, Ribaldi, t'as pas bonne mine? Moi? Bah, t'es blanc comme un linge. C'est ton histoire avec Arlette qui te produit cet effet-là? En voilà assez avec Arlette. Dis-nous plutôt ta nouvelle. Vous êtes pas passé devant la banque de la rue de Médicis? Non, pourquoi? Elle a été cambriolée cette nuit. Sans blague, raconte. Il y a des gens qui avaient loué l'appartement au-dessus de la banque. Des étrangers, paraît-il. Oui, sans doute des Américains, parce que l'appartement était meublé. 40 000 francs par mois. Saute le cours des devises étrangères et arrive au cours du franc. 20 millions, mes enfants. Hein? Ils ont ramassé 20 millions avec un parapluie. Un parapluie? Le coup du parapluie. Un coup sensationnel. Ils ont enlevé le parquet de l'appartement et ils ont commencé à faire un trou. Tout doucement, dans le plafond de la banque. Alors, dès que le trou a été assez grand, ils ont glissé un parapluie et ils l'ont ouvert. À ce moment-là, les gravats du plafond tombaient dans la toile et faisaient pas de bruit à l'intérieur de la banque. C'est malin, ce truc-là. Bah, ensuite, ils avaient plus qu'à descendre par le trou et ouvrir le coffre-fort. L'enfance de là. Comment sais-tu ça, Masson? Bah, tout le quartier en parle. Oh, tu peux te préparer à recevoir la visite de ton flic. Jamais 203. Dis donc, Masson, comment sais-tu qu'il y a eu un deux? Ça t'intéresse? Beaucoup. Tout simplement parce que j'avais reçu la visite de ton ami gentil Mignonnet, qui m'a interrogé sur ton emploi du temps le jour de la bijouterie. Bon, je l'ai donné avec plaisir. Non, mais ce qui m'a fait moins plaisir, c'est qu'il m'a demandé un spécimen de mon écriture. Un spécimen de ton écriture? Là, pour les lettres anonymes, mon vieux. Alors, Ribaldi, c'est pour ça que tu m'as emprunté mes notes sur Spinoza? Ouais. Faut pas m'en vouloir, la police a insisté. Ah, et si tu avais été malin, tu m'aurais demandé mes poèmes. Ils auraient fait sauter la préfecture. Bon, maintenant, je file au Mailleux. J'ai invité une demoiselle de la banque. Vous venez? Non, il faut que je finisse mes bagages. Moi, j'y vais, hein. À tout à l'heure, Ribaldi. Tout à l'heure. Ouais. Mouchoir, chaussettes, en flûte. Ma chemise vierge est encore chez la blanchisseuse. Bon, bah, tant pis. Entrez. Ah, je vous attendais, monsieur Mignonnet. Bonjour. Ah, bah alors, vous êtes au courant? Oui, on va parler de l'affaire. Tout le quartier est en rumeur. Il manquait plus que la lettre. Alors, vous n'avez pas besoin que je vous raconte? Bah, à moins que vous n'ayez des détails inédits. Bon, non, rien d'inédit. Troisième édition, vous connaissez le scénario? Vous voyez bien que je parle. Tiens, oui, c'est vrai, ça. N'allez pas me demander de sacrifier mes vacances aux fantaisies d'un persécuteur à répétition, non? Et où allez-vous? Chez mon oncle. Il y a une maison. À Dieppe. Monsieur François Ribaldi, rue Mélingue. Écoutez, ouais. Les circonstances m'autorisent à faire une exception en votre faveur. Ah ben, j'espère bien. Partez, mais envoyez-moi un mot de votre arrivée. Merci. Et donnez-moi quand même votre emploi du temps. Mon emploi du temps?
Quoi, il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, c'est délicat, je... J'étais avec une femme. Son témoignage est valable si vous n'êtes pas marié. Nous ne risquons pas de l'être. Voilà, nous sommes disputés. Oh, sérieusement? Tout à fait. C'est fini avec Arlette. Oh, sa rancune n'irait pas jusqu'à vous faire accuser d'un cambriolage. Tout de même pas, non. D'autant plus qu'il y a les deux autres affaires. Mais faites pas de nouveau pour les lettres. Bah, toujours rien, les experts sont catégoriques, elles ne viennent pas de vos amis. Ah, c'est embêtant, mais j'aime autant ça. Et le chinois? Oh, rien à faire pour avoir un échantillon de son écriture. Ça, il ne veut pas livrer sa personnalité. Il a peur d'être envoûté, qui dit le vieux conque. C'est bizarre. J'irai voir sa déclaration de patente. Il n'a tout de même pas écrite à la machine. Hein? Merci, M. Mignonnet. Pas de quoi. Allez, je file, je suis pressé. N'oubliez pas de m'envoyer une carte postale. Non, 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 hein? Attendez. J'y compte. Merde, merde. Pas si fort, on va t'entendre. Me sers pas de temps. J'ai tout fait déjà dans ton cabinet de toilette. Et ces imbéciles qui nous croient brouillés. C'est nécessaire, si nous voulons partir ensemble. Personne ne doit rien deviner. Surtout mon patron. Et ce soir? Je te retrouverai à la gare. Je t'apporterai ton paquet. Mon dîner pour le train. Un dîner d'amoureux. Malheureusement, je ne prendrai pas le même train que toi. Ah? Pourquoi cela? N'oublie pas que nous sommes brouillés. Il faut qu'on me voie ce soir comme d'habitude. Oh, mais sois tranquille. Je partirai demain matin. Tu as un train pour le Havre à 8 heures. Quand je pense que tu as dit aux policiers que tu allais à Dieppe. Tu ne voudrais tout de même pas que je t'emmène chez mon oncle. Ah, pourquoi pas, un jour, si tout va bien. Chérie. Oh, il y en a un qui m'inquiète. Hein? Qui donc? Le chinois. Il n'arrête pas de parler des lettres. Quand nous serons au Canada, il ne sera plus question de lettres anonymes. Ma chérie. Alors, Mignonnet? L'affaire est dans le sac, monsieur le commissaire. Vous êtes sûr de ne pas faire de gaffe? Certain. Ribaldi est dans le cambriolage de la banque jusqu'au cou. Ribaldi? C'est incroyable. Hey, il est malin comme un singe, monsieur le commissaire. Un étudiant, Mignonnet? Eh bien, il a passé son concours d'entrée à la santé. J'ai pas tout suivi. Racontez-moi les détails. L'affaire a bien failli réussir. Ribaldi a envoyé lui-même deux lettres anonymes pour s'accuser d'un crime et d'un cambriolage dont il avait lu le récit dans les journaux. Et pour lesquels il avait des alibis inattaquables? Naturellement, puisqu'il ne les avait pas commis. Il se trouvait chaque fois en compagnie d'une foule de camarades. Conclusion, il passait pour un malheureux garçon victime de lettres anonymes, c'était l'idée. Pour aboutir à quoi? À la troisième lettre, où il faisait un gros coup. Personne ne pensait à soupçonner le pauvre innocent persécuté, et il partait tranquillement à l'étranger avec le magot sous prétexte de vacances. Mais comment aurais-je pu le retenir? Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste? Un raffinement et un hasard. Ribaldi a voulu perfectionner son système. On attribuait à l'assassin de Chatou un imperméable bleu. Ribaldi s'est procuré un imperméable bleu. J'ai vérifié le lieu et la date de l'achat. C'était le lendemain du jour où le fait avait été signalé dans les journaux, qu'il prétendait ne pas lire, et dont ses poches étaient pleines. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Mmh. Et le hasard? Mais quand je lui ai parlé de découvrir l'auteur des lettres anonymes, il s'est indigné à l'idée d'accuser ses amis, mais il y avait quelque chose de forcé dans sa voix. Oui. Je l'ai aussitôt amené à porter plainte pour me procurer un spécimen de son écriture. L'expertise? Mais elle a été catégorique. L'écriture des lettres anonymes était adroitement déguisée. Mais Ribaldi en était bien l'auteur. La méthode de superposition l'a prouvé de façon formelle. Tout ceci paraît clair. Lumineux. Ribaldi est malin, mais nous l'avons percé à jour. S'il est si malin, vous ne craignez pas qu'il vous glisse entre les doigts? On surveille ce moindre geste. Et pourquoi n'arrêtez-vous pas tout de suite? Je veux arriver jusqu'à ses complices. Il a trouvé des professionnels pour l'aider. Un vrai petit chef de bande. Mais elle est précoce, la récolte de cette année. Un printemps trop chaud. Elle a poussé avec la guerre. Mais les fruits mûris trop vite tombent plus tôt. C'est pour quand, la cueillette? Pour ce soir, à la gare Saint-Lazare. C'est bon. Il serait avec vous. Où est-il, Jean Ribaldi? Là-bas, près du kiosque à journaux. C'est le grand brun qui se promène de long en large. Il a l'air de s'impatienter. Il attend depuis une demi-heure. Le train de Dieppe est parti? Oui, il menait la suivi au guichet. Il a pris une place pour le... Il s'énerve de plus en plus. Il s'arrête. Attention, il a vu quelqu'un. Une femme. Oui, Arlette Masserelle, naturellement. Elle est seule? On dirait, oui.
Qu'est-ce qu'on fait? S'il en vient d'autres, on les arrête ensemble. S'ils se séparent, prenez la fille en filature, je m'occuperai de lui. Ils entrent dans la salle d'attente. Je lui tends un paquet. Bravo, c'est ce qui nous manquait, l'argent. Mets-le vite dans ta valise. Ne sois pas si nerveux. Bientôt. Tu vas pas faire le compte ici. C'est une banquette, pas une banque. J'ai cru que tu viendras jamais. Oh, mais le dîner se prolongeait. Je ne pouvais pas me sauver comme une voleuse. Tu sais, de pas avoir été suivi, non? Ah si. Par un Américain qui voulait m'emmener danser. On peut en pas. Mais moi, j'ai bien cru qu'on me suivait. Oh, non, c'est ton ombre. Et puis maintenant, fais attention à ne pas rater ton train. Accompagne-moi sur les quais. Oh, tu n'as pas entendu dire que nous étions brouillés? C'est même une idée à moi. Alors, c'est une bonne idée, suivons-la. Où vas-tu maintenant? Chez le Chinois, bien entendu. Pourquoi chez le Chinois? Mais si ton ami l'inspecteur venait m'interroger sur ton emploi du temps. Puis d'ailleurs, je veux la fin de mon horoscope. Couche-toi de bonne heure. Oui. N'oublie pas que tu as un train à prendre demain matin. Non. Allez, à demain, mon chéri. Manque pas ton train. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Ribaldi. Monsieur Mignonnet. Alors, suivez-moi, sans esclandre. Hein. Je vous arrête. Trois heures. C'est le moment. Attendez, sortez par la cour. Voilà Masson. Ah, vous êtes encore là? Oui, monsieur Masson. J'arrive de la préfecture. Ribaldi est arrêté. Je sais. Oh, ils m'ont interrogé pendant 4 heures. L'anneau est marin aussi. Et pas vous? Ils me gardent sans doute pour la bonne bouche. Mais il y a du nouveau. Les complices ont échappé. La police a filé une femme qui lui a filé entre les doigts. Arlette Massaré. Mais comment savez-vous? Je suppose. Non, mais Ribaldi avait reçu un paquet. On croyait que c'était l'argent de la banque. Ce n'était que des vieux journaux. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il a tout avoué. Mais il refuse de dénoncer ses complices. Ça ne m'étonne pas de lui. Oh, Ribaldi coupable. J'aurais jamais cru. Il n'est pas tout à fait coupable. Mais je vous dis qu'il a avoué. Il a avoué ce qu'il savait. Il est surtout coupable d'avoir lu trop de romans policiers. La police ne peut pas se tromper à ce point. La police ne s'est pas trompée. Elle a suivi la piste des lettres anonymes. C'est bien Ribaldi qui les a écrites. Alors? Il croit peut-être même qu'il en a eu l'idée tout seul. Je comprends pas. Le coup du parapluie, l'ouverture du coffre-fort, c'est un travail de professionnel. Vous êtes bien d'accord? Sans doute. Et vous croyez que des professionnels auraient eu besoin de s'adjoindre à un amateur comme Ribaldi? Je sais pas, mais... Vous croyez qu'il lui aurait laissé écrire ces lettres idiotes? Mais elles sont pas idiotes, puisqu'elles permettent... De prendre tranquillement le large. Elles permettaient surtout d'attirer l'attention de la police. La police? Est-ce que la police aurait jamais pensé à Ribaldi? Réfléchissez un peu. Des spécialistes cambriolent une banque. À quoi servent les lettres? Eh ben... Elles servent... Elles servent à désigner un coupable, jeune et naïf, monsieur Masson, intoxiqué de romans policiers et adroitement circonvenu par une jolie fille. Arlette. La maîtresse du chef de bande. Elle lui monte la tête, elle le persuade qu'il invente un alibi génial, et Ribaldi prend la fuite, avec un paquet de vieux journaux en guise de millions. Vous avez l'air bien renseigné. Je fais des hypothèses, monsieur Masson. Et Ribaldi ne dit rien. On lui a bien fait la leçon, on lui a inculqué le romantisme du milieu. C'est un poète du roman policier, il a du caractère, il garde le silence. La police est quand même pas si naïve. Elle découvrira la vérité, monsieur Masson, mais trop tard. Mais et Ribaldi? Avec un bon avocat, il récoltera une petite condamnation et le sursis. On lui fera contracter un engagement dans une unité coloniale. Alors, il va s'en tirer? Je ne crois guère à ce mode de relèvement. J'y ai goûté moi-même. Mais il s'en tirera peut-être puisqu'il a du caractère. Mais vous, qu'est-ce que vous faites dans cette affaire? Moi? Rien, monsieur Masson. J'observe. Et vous laissez tranquillement accuser Ribaldi? Je n'ai pas à me mêler des affaires de la police. Monsieur Covenco, vous me dégoûtez. Pourquoi donc, monsieur Masson? Et si c'était vous, l'amant d'Arlette? Ah, vous me flattez. Non, mais si c'était vous, le chef de bande, le vrai coupable. Dites-le à la police. Moi? Voici précisément l'ami de Ribaldi, l'inspecteur Mignonnet. Allons, Covenco, vous allez nous suivre. Avec plaisir, monsieur l'inspecteur, mais j'attends quelqu'un. Mais pas de plaisanterie, nous avons des renseignements sur votre compte. Vous avez des antécédents. J'étais précisément en train d'en parler à ce monsieur. Faites-vous de bon gré ou faut-il vous passer les menottes? Ça ne sera peut-être pas la peine. Lâchez-moi!
lâcher, imbécile! Arlette et son patron! Envoie les alliés, monsieur Kolenko! Au moment où il partait en voiture! Oui, pour la Belgique! Mais j'avais crevé les pneus de la bagnole! Mais vous me faites mal, mais lâchez-moi ou je porte plainte! C'est le moment! Allons, que se passe-t-il? Vous voyez ce petit monsieur brun qui ne dit rien? Oui. Il s'appelle André Annie. Ce n'est sans doute pas son nom. Et il ne dit rien parce qu'il a un fort accent italien. Et alors? Vous n'ignorez pas que le coup du parapluie est d'origine italienne. Et puis après? Quand j'ai appris le cambriolage de la banque, après les lettres anonymes, j'ai achevé de comprendre. Comprendre quoi? Comprenez Ribaldi comme bouc émissaire. Vous ne pouviez pas nous le dire? Je ne suis pas indicateur et j'ai horreur de porter des accusations imprécises. Mais j'aime bien Ribaldi aussi. J'ai chargé l'anneau, les marins, qui ont plus confiance en moi que Monsieur Masson, de surveiller la voiture de l'Italien. Vous voyez le résultat? C'est tout ce que vous avez comme preuve. Il y a les valises. Dans lesquelles vous trouverez peut-être quelques millions. Ah, je savais bien qu'il fallait se méfier de ce Chinois. Je dois mériter mon surnom. Et son horoscope m'avait prédit un changement. Je vous avais dit que je tombe parfois juste à 100%. Le Chinois du quartier latin, nouvelle policière de Louis Chavance, était interprété par Pierre Delbon dans le rôle de Ribaldi et Guy Decomble dans le rôle de l'inspecteur Mignonnet, avec Annie Girardot, Geneviève Morel, Jacques Duby, Jacques Anquetil, Pierre Olin, Yves Duchâteau, Jean Bollot et Hubert Deschamps, le Chinois du quartier latin. Bruitage, Gabriel Derivage.